expliquer à la commission. Moi, je suis le secrétaire de la commission. Je ne participe pas au débat. Je ne participe pas au vote. Moi, je suis là pour prendre note. Quand quelqu'un de l'extérieur, des candidats et autres, m'envoie un papier pour la commission, je viens donner à la commission. Mais mon rôle n'est pas de prendre un papier de la commission pour le donner au président Sidi. Il a écrit à Sidi pour lui dire qu'il démissionnait. Mais ça, ce n'est pas mon rôle. Mais aujourd'hui, il dit à la FIFA qu'il n'a pas démissionné. Mais il n'y a pas de Le problème. problème est là. Il n'y a pas de problème. Mais nous aussi, nous disons que nous avons fini de vider notre délibéré le 6 avec des arguments, mais alors, imbattables. Sans lui. Avec lui. Le 6, avec lui. Il a voté le 6 août. Il a tout fait ici dans cette salle. Vous voyez, je vous ai dit hein, que je ne rentre pas dans tout ce qui est tordu. Sinon que je rends ma démission et puis je m'en m'asseoir quelque part. Le 6 août, Diby était assis ici, il a voté. On a regardé les critères, tout ça, il a fait, il a voté. On a validé deux candidatures, on a rejeté deux de six. Il a dit le contraire. Lorsque Henri Bon, on ne va Bujoli pas rentrer dans ce ça jeu-là, comme c'est à la CAF, mais moi je suis en train de te dire exactement ce qui s'est passé. Et le 6, on l'a fait. On devait se retrouver le 8, puisque le 7 était une fête, la fête de l'indépendance. On devait se retrouver le 8 à 10 heures. Le même 6, il nous a appelé pour dire qu'il faut qu'on se retrouve à 8 heures. Tous les membres de la commission sont venus à 8 heures. C'est là qu'il a dit que non, allons à la cohésion sociale. Ce qu'on a fait le 6 là, on n'a qu'à laisser, et puis on n'a pas à prendre d'idée pour la cohésion sociale, on n'a qu'à aller. Nous, ils sont 7. Il y a 4 qui sont sortis, ils ne sont pas dedans. Il y a même un, vous pouvez écrire son nom et puis vérifier. Maître Niamien, il est notaire. Il dit, moi, mettez mon nom sur les feuilles de présence jusqu'à jeudi. Après jeudi là, tout ce que vous allez faire, je ne suis pas responsable de ça. Ils sont 4 sur 7. Donc, la majorité est partie. Le lendemain, le même, le 8, hein, le 9, alors que le 8, nous sommes forclos, hein, si on veut suivre les 5 jours, le 9, on s'est réunis. Il faut un papier à 3. Il met Drogba dedans. Diby signe, puisque le code électoral dit que lui doit signer, moi je dois signer. Il a signé, moi je dis, je ne signe pas. Je dis, mais je ne signe pas, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne signe pas. Voilà comment c'est parti. Maintenant, le vice-président Ernest, ça s'appelle Ernest, il a dit à Diby qu'il n'est pas d'accord. Donc, on lui a dit à Diby, tu restes. Il a claqué la porte, il dit qu'il démissionne. On a pris acte dans la salle, on a fait d'autres élections et on a élu son vice-président pour prendre sa place. Ernest, qui a conduit le processus. Puisque la FIFA nous avait envoyé un papier pour dire, bon, reprenez ça, cette fois-ci, votez. Et chacun n'a qu'à signer sur les papiers. Ils ont tous signé. Et puis on leur a envoyé. C'est eux qui nous ont écrit pour dire de faire ça. Reprenez le processus. Il faut que chaque membre de la commission signe. Et tous ont signé le PV et on leur a envoyé. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ils n'ont qu'à nous dire qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que tout est parti. Il faut avoir la mémoire. Tout est parti depuis 2017 dans cette affaire de GX où Vérone revenait du Mali. Il s'est arrêté à Abidjan, c'était pour mettre en place un comité de normalisation. Nous sommes à la FIFA ici. Il est parti du Mali. Là, c'est un comité de normalisation. Mais il n'a pas pu, parce que Dieu nous a aidés. C'est des écrits contre des écrits. C'est le droit contre le droit. Moi, je ne suis pas un pratiquant de droit. Voilà les pratiquants du droit. Mais je suis juriste de formation. Ils ont écrit, on a écrit. Et puis, ils n'ont pas pu. Jusqu'à ce qu'on vienne aux élections. Pour les élections, ils ne peuvent pas. Allons-y. Dieu sauve les innocents.